la fidélité est l'une des bases d'un couple solide et harmonieux. Mais parfois, l'ennui, les disputes continuelles ou une tentation trop forte peuvent conduire à une infidélité qui, généralement, signe l'arrêt de mort de la relation. Pour savoir si votre partenaire a une maîtresse, voici 7 signes qui ne trompent pas. Avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Pour qu'une relation dure, il faut qu'une confiance mutuelle soit ancrée au sein du couple. Cependant, quelques accès de jalousie et un peu de vigilance ne font pas de mal. Donc, si vous désirez vous assurer que votre partenaire n'est pas en train de voir ailleurs, ce n'est pas la peine de lui demander des explications de chacun de ses faits et gestes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'observer, objectivement, si son comportement a subitement changé. Voici 7 signes qui montrent que votre partenaire couche avec quelqu'un d'autre. 1. Il s'attarde le soir au bureau. Si votre partenaire avait l'habitude de rentrer à des heures plus ou moins fixes, et que soudainement, il a de plus en plus besoin de rester au bureau tard le soir pour terminer des tâches ou pour faire avancer un projet dont il ne vous a jamais parlé, il y a peut-être anguille sous roche. Mais avant de vous précipiter, assurez-vous d'abord qu'il ne dit pas la vérité. 2. Il prend beaucoup plus de temps à répondre à vos messages. Généralement, monsieur est très réactif et répond à ses textos dans les minutes qui suivent. Mais quand il s'agit des vôtres, il prend tout son temps ou ne répond tout simplement pas. Un autre signe qui peut indiquer qu'il est occupé ailleurs et qu'il vous cache quelque chose, il ne se sépare jamais de son téléphone ou il en change le code secret. Qu'a-t-il donc de si confidentiel ? 3. Il a moins envie de vous approcher. Un homme émotionnellement et physiquement satisfait ailleurs, ne prendra pas l'initiative de vous approcher. Pire encore, il trouvera toujours un prétexte pour éluder vos avances et remettre au lendemain vos moments d'intimité. Donc, si vous remarquez une baisse de libido chez votre partenaire, sans que celle-ci soit due à une situation stressante ou à des problèmes particuliers, elle ne peut être que le signe de son infidélité. 4. Il fait plus attention à son apparence. Si votre partenaire fait soudainement plus attention à son aspect vestimentaire et reste 30 minutes de plus que d'habitude devant le miroir à examiner son reflet, il est peut-être en train d'essayer d'impressionner sa nouvelle conquête. 5. Il rentre directement prendre une douche. Si votre partenaire se précipite vers la douche dès qu'il franchit le seuil de votre maison, même s'il ne fait pas particulièrement chaud et que son métier ne nécessite pas un effort physique, sachez qu'il essaie de se débarrasser des traces de son infidélité. Un parfum féminin étranger ou une trace de rouge à lèvres sont des preuves irréfutables qui n'échapperont pas à votre flair de femme. 6. Ses performances au lit ont changé. Quand il s'agit de faire l'amour, chaque couple a un rituel propre à lui. Donc, si votre partenaire commence du jour au lendemain à vouloir essayer avec vous de nouvelles positions ou si sa façon de vous embrasser est différente, il est lieu de se demander d'où viennent tous ces changements. Parlez-en avec lui et suivez votre instinct de femme. Grâce à lui, vous saurez s'il veut juste casser la routine et vous impressionner, ou si ce sont des leçons apprises dans les bras d'une autre. 7. Il vous offre des cadeaux sans occasion spéciale. Recevoir des cadeaux est toujours une chose agréable. Mais si votre partenaire, qui oubliait de vous offrir un cadeau le jour de votre anniversaire, commence à vous en submerger sans raison spécifique, il est peut-être en train d'étouffer la voix de sa conscience et d'acheter votre pardon. C'est tout pour aujourd'hui et très bientôt pour une nouvelle vidéo.